Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Alone in the Dark avec l'épisode 7. On avait trouvé l'endroit que Jérémy recherche absolument avec une bibliothèque de savoir, mais il paraîtrait qu'il y a l'homme ténébreux dans cette bibliothèque, donc ça peut être très problématique. Avez-vous des conseils pour affronter l'homme ténébreux? J'imagine que la suppression pourrait être efficace. Essayez de ne pas lui prêter attention. Ok, donc l'ignorer? Bizarre. On va donc affronter l'homme ténébreux là, c'est ça? On en est là? Attendez. Bah ouais, la carte n'est d'aucune utilité. Bah oui, je suis pas à la maison. Waouh. Là, on a une petite fontaine. Je préfère aller fouiller la fontaine, d'accord? Oh, j'ai perdu tellement de vie, tellement de tout. Hop, j'y vais, peupon. Peupon à la main. Prêt à dégainer. Nous voici dans la bibliothèque. Oh. J'ai peur. Bon bah les amis, quand faut y aller. Ok. Faut y aller. Hein? C'est par là, hein? C'est beau? C'est très beau. On dirait le bain dans la momie. Oh, j'ai pas vu la statue là. Ok. Putain, le jeu est vraiment beau, hein. Il manque quelque chose. Ah. Ah. Ça montre du doigt. Ça montre du doigt là-haut, non? Oh, je me souviens plus déjà de tous les codes d'avant. Je me souviens même plus de tous les codes 2, 5, 7, un truc comme ça. Je m'en souviens même plus. On est foutu. On est foutu. Ok. La grande bibliothèque était infinie, magnifique et terrible. Un enregistrement akashique de l'univers, présent dans l'esprit de Jérémy Hartwood. Un esprit désormais corrompu par un récit qui lui a été imposé, conté par un menteur maniaque. Un mal invoqué par la science et le secret. Je vais suspendre une pièce ayant fermé les fondements de son personnage. La clé de la pièce sera confiée au bibliothécaire, l'unique entité qui reste invisible aux rôdeurs. Waouh! Donc, quelque chose a été invoqué, si je ne m'abuse. Donc l'homme ténébreux. Et après, bon bah, tout est parti en couille. Hein.
De toute façon, tu connais, hein, quand tu commences à invoquer ou vouloir faire des trucs un peu chelous. Ils veulent tous qu'on aille là-haut. Hein. Je vais y aller, les gars, là-haut. Je vais y aller. Vous inquiétez pas. Personne s'inquiète. Ok. Ouais. Bon. Putain, je me suis chié dessus, j'ai vu bouger à droite aussi. C'est terrible. Il y a quelque chose ici. Ok, on a quelque chose ici. Mais avant, on va faire le tour. On sait jamais. Ok. Ça, c'est intéressant. On va... Personne. D'accord. Ok. C'est pas grave, hein. Ça, c'est bien, ça, une petite boisson. Une petite boisson bien fraîche, chacal. Merde alors. C'est donc lui, l'homme ténébreux. Il a l'air super ténébreux. Il manque quelque chose. Ah, d'accord, je suppose qu'il va falloir... Ok, on va save. Et je suppose qu'il va falloir aller derrière, non? C'est parti. Ce bâtard, il est trop fort. On passe par là. Oh non. J'ai peur. Oh, c'est quoi ça? C'est chiant. Thank you.
Waouh! Non, pas une deuxième phase comme ça. Hein. Pas une deuxième phase. Il y a un deuxième truc qui bouge. Qu'est-ce que c'est ? La phase m'a mis super mal, les gars. Hein. J'ai tremblé, hein. J'allais là-dedans. Je m'en fous, hein, je vais tout faire en marchant. Hein. Au calme, on a le temps. Ok, j'ai même save. Je sais pas si ça va m'apporter un truc de save ici, mais peut-être un raccourci, je ne sais pas. Ouh. Ça m'a mis si mal. C'est une bibliothèque. Une bibliothèque. C'est en silence. Ok. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y a quelque chose ici. Sans déconner. Allez, je me barre. Bibliothèque de Merds. C'est pendant cet automne chaud que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées. C'était une sorte de forain itinérant qui se produisait dans les salles publiques et suscitait une crainte généralisée. J'ai oublié l'adresse de l'événement à la Nouvelle-Orléans, mais je me souviens que la Prext Shipping Company avait insisté pour apporter sa contribution. Hé hey Détective! Juan! Juan! J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il doit y avoir une information utile. Allez, Carmby, réfléchis. Réfléchis! Cette compagnie maritime, Prext, voilà. Bonne chance, détective. Merci, vous êtes là, détective. Assise toute seule dans un endroit comme celui-ci, j'en entendrai parler jusqu'à ma mort si la presse en avait vent. Ah. Rose, c'est ça ? Oh, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Je suis sûre que vous avez déjà tout un dossier sur moi, détective. Mais c'est vrai, nous n'avons pas été officiellement présentés. Je m'appelle Rose Talent. Mademoiselle Rose Talent, si vous vous demandiez. Edward Carnby. Enchanté. Vous êtes sûr ? J'en ai déjà trop bu.
Pas mal. C'est bon. Je sais. J'ai d'excellents goûts, détective. J'ai appris que vous essayez de rompre le pacte de Jérémy avec l'homme ténébreux. Ouais. Vous vous y connaissez dans ce genre de choses ? Non. Mais je me pose la question. S'il a fait une promesse, ne peut-il pas simplement l'honorer ? J'essaie juste d'aider Jérémy à sortir d'une mauvaise passe pour qu'il revienne à la Nouvelle-Orléans. Eh bien, au grand mot. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un signe de soumission à l'homme ténébreux. Je l'ai vu dans un rêve un jour. Quoi ? Vous connaissez pas la Prext Shipping Company, par hasard ? Si, l'entreprise a fait fortune pendant la guerre. Ses bureaux sont juste au bord de l'eau, de ce côté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça, détective ? Bonne chance. Hé, hey, vous auriez pas vu Emily Hartwood ? Essayez-vous de me rendre jalouse, détective ? Non, je n'ai vu votre poupée nulle part. Wow, 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 wow! Aurons-nous un moment d'accalmie? Déposez-moi la Nouvelle-Orléans. Un livre d'allumettes. Très bien. J'adore les livres d'allumettes. Prext Shipping Company. D'après le livre que j'ai trouvé à Darweya, l'homme ténébreux est lié à un spectacle auquel j'irai. Je sais pas où je dois aller. Par mon chemin. Je me dis si je vais chercher. Tiens. Comme ça, si on brouille dans le terre-terre. Bah voilà, il y a embrouille dans le terre-terre. Glace. Mais bon, ça valait le coup. Ok. Oh, la carte. Très bien. Entrance, ok. Donc il y a une entrée là-bas. Dans le système d'égout, il y a un tunnel qui passe juste sous la Prext Shipping Company. Je parie que je peux l'utiliser pour m'y introduire. Ok. Voilà. Elle est fermée à clé de l'autre côté. Ouais, c'était évident. C'est trop. Je suis dans un caca de l'éternel. Là-bas. Ok. Oh.
Ok. Clé du manutentionnaire. Clé du manutentionnaire. Ok. C'est quoi son problème à lui? Ça, si jamais il y a un bruit dans le terre-terre. Je ne comprends pas le fait qu'on ne puisse pas garder dans les mains quelque chose. C'est débile, hein. Bon, je suis désolé, mais il y a des choses qu'on va devoir dire. Ok, c'est là-bas que je dois aller en plus. Je me prépare des petits pièges. J'arriverai jamais à déplacer ce truc à main nue. Mais si j'arrive à mettre cette grue en marche, ça devrait être possible. C'est évident. Je les utilise, sinon je les utiliserai pas. Donc Ok, nickel. Voilà à quoi servait la clé. C'est fini. Allez, ce coup de génie. Bon, j'ai compris à quoi servaient effectivement les bouteilles. Oh non, je suis qui est bleu. Je rigole. Non, il y a des bruits à la The Grudge. Lui, on va le laisser là-haut tranquillement, hein. Il gêne personne. Je déteste les égouts, et vous le savez. J'ai inquiété toutes mes balles. Je suis vraiment teubé. Hein. I am vraiment teubé. Eh, vas-y, j'y vais aux pompes. Ça va pomper à mort.
J'ai plus rien. Ok. Ça va, je me suis refait en soin. Parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Bon. Là, on devrait aller dans la compagnie. C'est plutôt pas trop mal. Bien. Je suis rentré dans l'entrepôt. Le bureau doit être à l'étage. Oh, waouh, quand tu vois toutes les munitions qu'on t'offre, là. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine dans cette compagnie. Bisous tout le monde. Bye bye.